Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose que je fais régulièrement et que je kiffe. Je kiffe. J'adore voyager dans le temps. Alors, qu'est-ce que je raconte? En fait, il y a quelques semaines, j'ai reçu ce courrier. Voilà, vous voyez, j'écris des choses et d'autres ici. En fait, c'est une lettre que je me suis écrite lors du séminaire, lors du dernier jour de Quitter la Rat Race. Et en fait, c'est une lettre donc, qui m'a été envoyée par les équipes de Cédric Anicet et dans laquelle justement bah, j'écrivais quels étaient mes objectifs pour les 3 prochains mois. Coucou! Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement. Me mettre en fait des. Comment dire? M'écrire en fait des lettres que je m'envoie, que je me programme pour pouvoir les recevoir dans le futur. Et j'ai eu l'occasion de vous en parler, mais là, vu que j'ai reçu cette lettre, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en reparle parce que j'adore vraiment utiliser cette technique. Pourquoi je fais ça en fait? Je me programme des lettres en fait, notamment en utilisant le site futurme.org. Donc en gros, vous écrivez un courriel hein, tout simplement. Et vous le programmez pour pouvoir le recevoir à une date donnée. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours mon courriel, enfin le courriel que j'utilise le plus, comme ça, je suis certaine que même une lettre que je me programme d'ici 10 ans, a priori, j'aurai encore ce même courriel. Pourquoi je fais ça, en fait? Parce que j'aime beaucoup me rendre compte de mon évolution, de comment j'évolue, comment je change d'état d'esprit, en fait, en cours de route. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais m'écrire chaque année au moins une lettre que je m'envoie dans le futur pour vraiment ben, voilà, savoir comment se déroule ma vie à ce moment-là, où j'en suis, quels sont mes questionnements, quels sont mes doutes, par quoi qu'est-ce que je traverse en fait, qu'est-ce que je vis en ce moment, quelles sont mes victoires, qu'est-ce que je viens de réussir, quel est en fait le mood du moment. Et je fais ça, donc je reçois donc régulièrement des lettres, comme je vous le disais, que je me programme. Et j'adore faire ça en fait, parce que c'est un superbe moyen de voir finalement déjà bah, comment se déroulent nos objectifs. Est-ce que les choses se déroulent comme on l'avait imaginé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Enfin, j'aime faire ça. Je dis souvent que j'aimerais beaucoup avoir une boule de cristal pour pouvoir voir comment ça se passe. Mais à vrai dire, je préfère cette façon. Vraiment de décrire tout ce que j'ai envie de réaliser et de m'envoyer, d'envoyer ces courriers en fait à mon futur moi pour pouvoir par la suite savoir quel était mon mood en fait à l'époque. Je vous invite vraiment à tester parce que franchement je kiffe faire ça et je trouve ça vraiment hyper ouais, ça m'apporte de la joie en fait de voir mon évolution régulièrement. Et je vous invite vraiment à écrire, à noter quelque part, à vous programmer des lettres sur futurme.org. Vous allez voir, ça va vraiment vous envoyer de la joie de recevoir des messages de vous-même mais dans le futur. C'est un super moyen de se rajouter de la joie au quotidien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous embrasse. Je vais regarder une série colombienne, je crois. Et chanter un peu de reggaeton. Bisous à tous, ciao!